Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on va prendre un café avec Vincent Cobé. Vincent, il succède à Linda à la tête de Citroën. Bonjour Vincent. Bonjour. Et bienvenue chez vous. Merci. Vincent, il y a deux questions existentielles avant de commencer l'émission. Vous me faites peur. T'es au café? Café. Café. Et surtout, alors, grande question, quel mug vous choisissez? Alors, il y a quand même un embarras du choix. Il y a le choix. Il y a même une auto-chenille. Il y a même une auto-chenille. Il y a même le scarabée d'or. Non, on va aller pour deux chevaux. Alors, pourquoi deux chevaux? Oh, je pense qu'il y a deux, trois choses qui me touchent dans deux chevaux. Pourtant, elles ont toutes du café, c'est la magie de la télé. C'est fantastique, on gagne à tous les coups. Non, deux chevaux, il y a quelque chose de phénoménal dans cette voiture pour moi. La première, c'est que vous allez partout dans le monde, et j'ai essayé, grâce aux produits dérivés de Citroën, vous promenez avec un t-shirt qui a cette vue latérale de deux chevaux, et il y a des gens dans des pays où on n'en a jamais vendu une, qui savent exactement ce que c'est. C'est très rare une silhouette comme ça, qui instantanément déclenche 2-3 sentiments chez tout le monde. Je sais ce que c'est, ouais. Même si je suis incapable de dire le nom, mais je l'ai déjà vu. Deux, je suis attiré, attaché par le côté décalé, le côté approchable, le côté humain et ce côté intemporel. Après, d'un point de vue purement technique, c'est un ovni dans le monde dans lequel elle a été lancée. Ouais, c'est certainement... un moment de grâce de Citroën, c'est de l'innovation technique, c'est un design fantastique et intemporel, c'est une voiture abordable, c'est une voiture qui change les modes de transport à travers un pays, enfin, c'est un monument d'histoire, cette voiture. C'est drôle et passionnant et émouvant de vous entendre parler comme ça de Citroën, parce qu'en fait, vous ne venez pas de Citroën. c'est chouette que vous soyez déjà amoureux. Je vais prendre ombrage de ce commentaire. Si on rentre un peu dans l'histoire, moi je suis originaire du nord-est de la France, ma grand-mère était instite. Et en fait, ma grand-mère était instite dans un petit village qui est entre Nancy et Toul. Et vous savez, à l'époque, l'institutrice, c'était le contre-pouvoir de l'Église. Et donc, comme vous étiez le contre-pouvoir de l'Église, il fallait avoir un statut. Donc ma mère a été éduquée dans une traction 15. Tous quelque chose en Citroën, en fait. On a tous une histoire comme ça. Ouais. Et puis, si on avance, bon, il est vrai que moi, ça fait près de 20 ans que j'habite pas en France. Mais avant de partir, dans les années 90, la première voiture que j'achète, c'est une ZX quand même. Oui, et puis la première, c'est une ZX Volcan, pardon, et vous en aviez en voiture de fonction. Voilà, exactement. J'avais à peu près tout le cheptel ZX depuis la version 1.9 Atmo entrée de gamme comme voiture de fonction jusqu'à une Volcan turbodée à titre personnel. Oui, c'est très précis en plus. Maintenant que vous êtes au cœur du réacteur, quelle image vous faites de la marque? Alors ça, c'est assez rigolo. Et en fait, il faut aussi le remettre dans une certaine perspective. Moi, j'ai passé, on va dire, pour faire simple, 20 ans de ma vie en France et... 25 des 30 dernières années, à me balader à travers le monde, principalement en Asie, en Amérique du Nord. Moi, j'ai quitté donc, un Citroën innovant, décalé, des DS, des CX, des ZX, des AX, et puis aussi un Citroën qui, par moments, se cherchait. Il y a eu quelques véhicules qui étaient plus, on va dire, difficiles à promouvoir ou à... parler de BX, d'Axel, de véhicules où on sentait qui une marque qui ont néanmoins leurs fans. C'est voilà, qui ont leurs fans, mais le côté bizarroïde, en fait, voilà, qui surgit. Qui avait poussé le bizarroïde assez loin, on va dire, par moment. Et là, je reviens et j'ai le plaisir de travailler pour Citroën. Et en fait, on découvre, la plupart des collaborateurs l'ont bâti, un Citroën beaucoup plus... mainstream, c'est-à-dire qui s'est repositionné au cours de fantastique travail des 5-6 dernières années au cœur du marché, avec des véhicules qui sont forts en style, qui sont compétitifs en positionnement, qui sont clairs et alignés sur une marque forte. C'est une marque qui s'est redressée, qui a défini son identité, qui en est fière et qui le montre dans ses concessions. Oui, c'est amusant, c'est comme revoir, pardon, j'en bafouille un peu, mais un membre de sa famille qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps. Exactement, mais ça m'est arrivé pas seulement pour Citroën, ça. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez justement insuffler aujourd'hui à Citroën? Si vous voulez, moi, il y a une analogie que j'aime beaucoup,
c'est que, pour prendre l'analogie du corps humain ou de la convalescence, si on veut, on ne va pas passer directement d'une période de difficulté à une période de course de fond. On va d'abord se lever, ensuite on va redresser les épaules, puis ensuite on va sortir et courir. Je pense que si on fait cette analogie-là, Citroën aujourd'hui, c'est relevé. Quand vous regardez ça, vous avez une marque qui est debout et qui commence à élargir les épaules, à être fière d'elle-même. Bien assise et tout ça. Si on regarde les années qui viennent, voilà, on va, pour la faire simple, on va refaire du Citroën. On va refaire des produits innovants, décalés, qui provoquent l'amour, l'attachement, la réaction, et qui en même temps restent très fidèles à ces notions d'innovation, de confort, de proximité. Alors on est gâtés parce que les années 2020 démarrent sur les chapeaux de roue, c'est quasiment les années folles chez Citroën. Il y a l'AMI qui vient d'être découverte et qui rentre justement comme ça de plein pied. Alors, si je peux me permettre, je pense que les années folles chez Citroën, on en a vécu pas mal quand même. Il y a eu les années 20, il y a eu les années 30, mais bon, entre nous, les années 40, les années 50, les années 70, on s'est quand même bien lâché. Donc c'est sympa, c'est quand même une marque qui fait des années folles. Oui, c'est ça, toutes les décennies, c'est des années folles. Mais si on se projette dans les années 2020 et qui vont venir, effectivement, on vient de jeter un pavé dans la mare de la mobilité urbaine. Je crois qu'il faut appeler ça comme ça. C'est totalement inédit, oui. Si on regarde autour de nous, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le monde est en train de changer dans sa perception vis-à-vis de l'environnement, de la responsabilité, de la sustainability, comme on peut le dire en franglais. On a des phénomènes sociaux assez forts, enfin, particulièrement vrais en France, mais pas seulement en France, de mécontentement d'une classe moyenne, de certaines formes de désabusés dans la rue vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis de la liberté individuelle. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le regarder. Et puis, on a des villes qui deviennent des lieux de contraintes entre le trafic, la pollution, les règlements, l'urbanisation, et ainsi de suite. Et là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de dire, vous savez quoi? L'image de le transport propre est seulement pour les gens qui peuvent payer 70 000 euros et plus, elle est fausse. Elle n'est pas fausse d'un peu, elle est fausse d'un ratio de 10. On va vendre des voitures, des véhicules, des modes de transport qui vont s'échelonner dans une gamme de prix, et ça commence par un objet de mobilité qui vaut 7 000 euros. Mais en dessous de ça, c'est non seulement ça vaut ça, mais en fait, vous pouvez vous l'offrir ou l'offrir à vos enfants pour l'investissement initial d'un scooter, la mensualité d'un téléphone portable, et vous avez un objet qui est clos, qui est chauffé, qui protège votre environnement et qui vous permet de vous déplacer en ville de façon totalement électrique, avec une facilité de rechargement absolue. Donc là, à la Citroën, on prend le problème, on le met sur sa tête et on dit « soyons sérieux ». La liberté individuelle, c'est important. Et puis, c'est un nom qui était dans le patrimoine de Citroën. Oui, ça, c'est rigolo. Et aussi, puis, en plus, ça parle à la planète entière. C'est un ami, c'est un copain, c'est... Ouais. Ça, c'est... Là, on sort du produit ou des enjeux de transport. On parle mais ça dit de marque, choses, de nom. Ouais, ouais. Si on sort de l'automobile, il y a un nom que je trouve très intéressant, qui est... Il y a un opérateur de téléphonie en France qui s'appelle Orange. Oui, c'est un coup fabuleux, ça. C'est-à-dire, vous prenez quelque chose qui est dans n'importe quelle cuisine et vous le transformez dans votre nom commercial. Ça n'a rien à voir avec la téléphonie, mais c'est génial. Et effectivement, dans le patrimoine de Citroën, il y a ce nom, à mon avis, sous-utilisé dans l'histoire, qui est, on a une voiture qui s'appelle Ami. Et qui est très attachant, en fait. Le mot, naturellement, est quand même assez... Ça peut difficilement définir mieux le côté approchable, membre de la famille, chaleureux de Citroën. Alors, il y a l'ami, mais il y a autre chose aussi. Elle est comment la C4? La nouvelle C4. La nouvelle C4. Ben ça, on va revenir à ce que je disais tout à l'heure. On a remis la marque debout et fière. Maintenant, on va repousser le curseur pour faire un peu plus de Citroën. De Citroën au sens prendre un problème et apporter une réponse décalée, plus humaine, plus innovante, plus confortable. Bah, la nouvelle C4, ça va être ça. Donc elle va vraiment marquer les esprits. Oui, parce qu'on est dans un segment, le segment C, qui est le cœur du marché européen, qui est un segment sur lequel Citroën a une crédibilité et des clients existants énormes, et où, si vous regardez dans la rue, on ne va pas citer nos compétiteurs, mais c'est quand même un peu toujours la même chose.
des voitures qui vont faire, allez, 4,30 m, qui vont pas être très hautes. Chaque segment, Alors là, on innove, on met 3 cm de plus en largeur, par exemple, vous voyez. Non, mais je le dis avec ce sourire, mais c'est un segment sur lequel il n'y a pas eu beaucoup de changements. Et en fait, la prochaine C4, je ne vais pas vous la dévoiler, on va quand même vous faire attendre un peu. Elle arrive quand alors ? Elle va arriver en prise de commande à partir de juin, elle va arriver visible à partir de septembre-octobre, et on va la lancer quelques semaines, quelques mois dans les ventes en fin d'année. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris ce besoin légitime, on va dire, d'une famille moyenne, d'avoir un véhicule relativement spacieux avec lequel vous pouvez faire des longs trajets. On parle du seul véhicule dans la famille, on parle aussi de véhicules professionnels. C'est un usage assez mixte, très contraint, parce qu'il y a une velléité d'espace, de confort, de volume de coffre, mais en même temps, ça doit être compact, ça doit être abordable. C'est vraiment un besoin assez étrange. Enfin, étrange non, mais particulier. Non, mais il y a un besoin fonctionnel réel. Et on lui a apporté, très bien, mais quel est le besoin supplémentaire ? Un besoin supplémentaire de visibilité, de confort, d'accès. Et ça donne un véhicule qui, en plus, lance une nouvelle identité de style. Donc, c'est vraiment intéressant. Ah oui, donc il y a beaucoup... Oui, on va apporter, à mon avis, un œil très différent sur ce segment. On va terminer par un mot de business. Les chiffres sont bons, hein, il faut s'en féliciter. La croissance de la marque, c'est 2 à 5 fois le marché. Néanmoins, la marque, elle est peut-être trop européano-centrée. Et l'objectif, ce serait peut-être essayer justement d'insuffler plus d'internationalisation. Je crois que quand on parle business, il faut toujours être factuel et rationnel, raisonnable. Les 5-6 dernières années, une fois de plus, comme je disais, ça a été remettre la marque debout, forte. Ça a été fait au travers des produits, au travers du style, au travers de l'environnement de vente, au travers de la communication, ainsi de suite. Il y a une continuité, une logique, une force de ce travail qui est tout à fait admirable. Et dans tous les... Dans tout. Voilà. Et donc, ça a deux aspects très forts sur le business. Le premier, c'est que dans les pays où nous sommes historiquement présents et forts, ça a boosté notre performance. Sur 5 ans, en Europe, on fait plus 30%. On est la marque qui croît le plus l'année dernière en market share, en volume. Dans les 5 plus gros pays d'Europe, on fait entre 2 et 10 fois la croissance du marché. Donc, la performance, elle est substantielle. Après, l'autre aspect de la reprise en forme de la marque, c'est... Dans les pays où on a des difficultés, rationaliser notre offre pour reconstruire une fondation et repartir. À ça, vous rajoutez des complexités qui sont, on va dire, pareilles dans toutes les marques du groupe PSA, que sont l'Iran ou la Chine. Donc, une des conséquences, c'est qu'effectivement, on a cru, on s'est renforcé en Europe. On a eu des résultats variés en dehors d'Europe. Au Brésil, ça s'est très bien passé. Au Japon, ça s'est très bien passé. On va lancer en Inde et j'espère que ça va bien se passer. En Afrique, Moyen-Orient, ça s'est bien passé. En Chine, en Iran, ça s'est pas très bien passé. En Argentine, le marché s'est effondré. Pour un contexte qui était aussi difficile. On est 85% Europe dépendant, ce qui est trop. Donc, il va falloir changer ça. Alors, 2025 ? 2025, on va continuer de croître sur nos marchés forts que sont l'Europe, mais que sont le Brésil, le Japon, Afrique, Moyen-Orient. On va se lancer en Inde, on va inverser les tendances dans un certain nombre de pays. Typiquement, je pense à l'Afrique subsaharienne ou au Maghreb et aux pays du Golfe. Je pense à l'Amérique latine. Et un objectif ambitieux, mais pas déraisonnable, c'est de dire, on continue de croître en Europe, mais l'Europe ne représente plus que 60% de nos volumes à l'horizon 2025. Et en termes d'unité, ce serait quoi ? Ce serait un... C'est un 2025, allez, on dit 1,5 million. Idéal, ce serait quoi ? On dit 1,5 million. Bon, écoutez, merci beaucoup Vincent, parce qu'on a beaucoup appris avec vous. Voilà, on est heureux aussi de voir que la passion Citroën, elle est vraiment vivante et vous avez à cœur justement de la porter encore plus loin. À tous, évidemment, merci de votre fidélité. On se reverra, j'imagine, pour faire le point régulièrement. Et puis, à très vite pour un prochain café avec, ce sera la surprise. You know it.